Bonjour et bienvenue, le BAE 146 de JetFlight en version 2.0. Une petite cure de jouvence hein, pour cet appareil qui est sorti maintenant il y a un petit moment quand même, hein, j'irai presque 2 ans. Donc JetFlight dans la continuité vient de le mettre à jour dans une V2, une importante mise à jour. Donc on peut faire confiance à JetFlight pour le suivi de ses produits. Ça là-dessus, il n'y a aucun problème. La preuve, donc cette mise à jour gratuite, bien évidemment, avec pas mal de nouvelles fonctionnalités, l'intégration de GSX automatiquement au niveau du ravitaillement des passagers, du cargo, etc., des portes qui s'ouvrent. Voilà, la gestion de l'équipage qui se fait automatiquement, donc beaucoup moins de choses à faire. Et puis, derrière, de nouvelles fonctionnalités qu'on va voir ensemble au niveau du cockpit. Et surtout, une partie passager. On va aller, hop. On va aller, voilà, la petite partie passager. On va ouvrir. Voilà, cette belle porte. Voilà, cette petite partie passager. On aura l'occasion d'y revenir. Hein, avec un petit autoradio, une petite musique équipage qu'on pourra programmer, mettre sa propre musique, une gestion plutôt sympa de choses au niveau environnement sonore. Voilà, et puis bien sûr une petite mise à jour du cockpit au niveau graphisme. Voilà, un rafraîchissement comme je le disais. Allez, on va laisser faire le ravito en alimentation. On va partir en Nouvelle-Zélande. Voilà, on va voir ensemble le plan de vol juste après. Un vol complet d'un point A à un point B. Et puis, on va voir un peu toutes ces nouveautés. Puisqu'il n'y a pas que de la mise à jour graphique, il y a aussi de nouvelles fonctionnalités qui ont été rajoutées. Et ça, c'est plutôt bien. Dont le FMS qui est tout nouveau. Voilà, on n'utilise plus le FMS... assez ancien, assez basique. On a un FMS propre au BAE et avec ses fonctionnalités qui sont bien différentes de celles que l'on connaît. Donc ça vaudrait presque un tuto rien que pour ça. Maintenant on va quand même l'utiliser avec SimBrief hein, qui l'intègre automatiquement. Allez, on se retrouve juste après le jingle. C'est parti pour la mise en route, l'accueil des passagers, la préparation du plan de vol. C'est parti. Voilà, on est dans le cockpit, on retrouve notre tablette hein, qu'on peut cacher ici hein, en cliquant sur le petit panneau ici. Et pour cacher le yoke, hein, c'est le petit système de pédale. Ici, on a toujours des petites choses comme les porte-gobelets, etc. Je reviens pas dessus. Les protections ici, solaires. Pareil pour l'autre côté. Voilà, au niveau du flight plan, ici, vous vous identifiez et on voit ici... la création sur SimBrief de EdZQN, EdZCH, 42 minutes environ de vol. Et on passe directement sur la partie aircraft pour importer le payload de SimBrief. Et là, on va voir déjà des petites différences par rapport à ce qui se faisait avant. En fait, là, on va retrouver le chargement en cargo hein, de SimBrief, 111 passagers, 373 kg par cargo. Sauf qu'il clignote, puisqu'il va attendre. Alors, soit on clique sur le petit bonhomme pour faire un chargement rapide, réaliste ou instantané. Soit on va laisser GSX s'occuper. On va voir que ce chiffre il va être mis à jour. Et idem pour le cargo. Et quand tout sera fini, les chiffres arrêteront de clignoter. Et le zéro flow weight, lui aussi, sera différent. Donc sans plus attendre, eh bien, on va accueillir les passagers. Et on va voir également qu'avec les passagers, il va ouvrir les cargos, les packs arrière, etc. etc., etc. Il va vraiment gérer ça tout seul. On n'a plus à s'occuper des portes. Voilà. On a fini ici, je vais pouvoir
fermé les portes de service. Et voyez, il a ouvert les cargos et l'afterpacks. Et voilà, il va se positionner tout seul comme un grand pour l'accueil des passagers. Et puis on va mettre ici le ground power. Et on va commencer à faire notre petit démarrage, les batteries sur on. Ici, yaw dumper master, autopilot master, avionique master sur on, les lift spoilers sur on. L'anti-skid, on peut déjà le mettre sur on. L'autobrake, on va le laisser sur off pour le moment. On va passer sur la console de droite. On va mettre nos logos sur on. L'entrée ici sur on. On va armer cabin emergency. On va armer les no smoking. On va ici mettre nos nav lights sur INT. Et puis on peut ici mettre les fans du flight deck ou de la cabine, petite ventilation. On a l'external power qui est sur on. Donc ici, voilà, on passe nos AC, DC, bus tie sur on, standby inverter, standby générateur sur arm. Ici on a clique sur galley power. Et on est pas mal. On va laisser les screen hit pour le moment sur off. On va laisser bien sûr le ice detect sur off, le système de pitot. Et on va laisser les fuel pumps sur off et tout le reste sur off. Au niveau de l'hydraulique, on va pouvoir mettre nos radios en route ici et ici. Donc pour la navigation et pour la com. Et on va pouvoir, avec l'assistant... d'ailleurs, je me suis trompé de... Hop. Petite modification. Hop, dans MISC, vous pouvez changer les avatars. Il y avait plusieurs personnes qui me posaient la question. Vous sélectionnez ici le pilote avatar. Et donc vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez. Et là, en l'occurrence, j'étais vraiment avec un pilote de la Seconde Guerre mondiale. Donc on bascule ici, on choisit vraiment celui qu'on veut. Et voilà, et vous avez changé votre pilote d'avatar. Alors tous les avions n'ont pas la possibilité d'avoir l'avatar en cockpit. On est bon pour la radio, ici on va se mettre en... New Zealand 46 Alors 7000 pieds au départ. Okay. Ensuite, donc on le passe en TA. Ensuite ici, on va faire un power de notre système FMS, même chose pour le copilote, ici on peut passer en stand-by. Et parmi les nouveautés, on a cette petite planche ici, qu'on va pouvoir sélectionner. Et dedans, vous allez avoir plein de petites choses intéressantes, comme les engine performance. Vous pouvez faire un contrat rotating, ici, voilà. Ensuite, vous pouvez faire un next, les différentes étapes de vol, décollage, voilà. C'est un peu de la documentation à bord sans avoir à sortir votre PDF à côté. C'est vraiment plutôt pas mal, les vitesses max. Voilà, il vous dit, voilà, par exemple FL240, les vitesses. Voilà, pas mal de choses et on peut mettre les pages que l'on souhaite. Ça, c'est plutôt bien. Et on revient toujours en cliquant sur le milieu, sur le dessus. Et le contrat rotatif se trouve toujours sur la droite ou la gauche. Voilà, donc ça, c'est vraiment chouette. Et puis la même chose pour la tablette au niveau du manche. On clique sur le petit lien. Et ici, je vais baisser un peu la radio. Et ici, on aura les checklists. Voilà. On va pouvoir appliquer. Là aussi, on peut mettre ce que l'on souhaite. Il vous explique comment le faire. Et par exemple, voilà, j'ai mis une image pour faire un essai, voilà, qu'on peut mettre en rotation. Voilà, on peut mettre vraiment ce qu'on veut, donc vous pouvez mettre jusqu'à 18 pages, hein. C'est assez sympa. Et sur flat6.to, j'imagine qu'on va avoir pas mal de gens qui vont nous créer des petites checklists particulières. Voilà, nos passagers
monte dans l'avion, donc sans plus attendre ici, on va charger notre plan de vol via SimBrief, on va accepter ici la localisation. Et ici, au niveau de FPL, on va cliquer sur menu, on fait un départ, on a FPL, on fait un copy plan route. Il va nous demander quelle route. Alors là, j'ai deux fichiers qui sont dans mon répertoire. Et donc, ça va être le SNQED LZSH. Donc, on sélectionne deux et on fait entrée. Et là, il nous a chargé ensuite les différents points de vol. Donc, avec FPL toujours, on peut aller next. On peut voir les différentes étapes. Et là, c'est plutôt basique. Il nous reste encore les sites des stars à placer. Donc on peut prendre le plan de vol SimBrief ici. Et au niveau du menu, au niveau du départ, on va sélectionner le départ. Et aujourd'hui, on sera donc sur la runway 23. La 23, c'est la numéro 3. On fait entrer et il va nous proposer ensuite la SID. Ce sera ANPV. ANPO. ANPO ici, c'est la 1. Transition. Alors là, au niveau de la transition, on va vérifier. On va laisser par défaut comme ça. Voilà, sans transition. Et on peut revenir sur le FPL ici. On peut ensuite voir les différentes étapes. On peut ensuite aller sur FPL toujours. On peut ensuite aller sur menu, sur arrive, et là on va sélectionner notre arrivée. Notre arrivée, on est sur la runway 02, donc la 1. On sera sur la star Dopi 4A, la 4. Et l'approche sera l'ILS 02, donc la numéro 4. Et pour moi, je vérifie vite fait, mais je transition IDUBU, donc la numéro 2. Et on est bon. Ensuite, au niveau de ce FMS, on a les datas, le fuel, tune, qui n'est inop. Ici, on a la nav. On a un direct tout. On a notre plan de vol classique, la VNAV, qui va nous donner les différentes altitudes à respecter. Et pas mal, et le mode perf bien sûr. Et au niveau fuel, on a deux pages, on a la fuel 1 sur 2 et en vol on aura la consommation en temps réel, l'endurance, la quantité de carburant à l'arrivée, voilà. Et tout ça, c'est, ça fonctionne très très bien, c'est très précis. On va maintenant regarder un petit peu notre chargement. Je pense qu'on a fait le chargement, il a fermé les portes, voilà, on est prêt pour le démarrage. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais quand même démarrer ici mon APU, je vais mettre le left inner pump sur on et je vais démarrer ici l'APU. Donc l'APU qui démarre ici avec, on le voit, la température et les RPM. Température ici, RPM en haut. Et on voit ici mes chiffres ne clignotent plus. J'ai bien 111 passagers. Les cargos sont chargés, pas de soucis. Je clique ici sur CG. Il va me mettre le trim automatique qui se trouve ici pour pas avoir de problème de trim au décollage. Ici, au niveau de l'APU, on va attendre le 100%. Et on va pouvoir, voilà, on a APU Power Available, on va pouvoir ici cliquer sur APU Gen. On est bon et on va couper l'external AC et on va couper le Ground Power et les shocks. Et enlever les shocks. Ok, on est bon, on est prêt pour la mise en route. Ici, on va mettre nos screen hits. On va faire une dernière vérification. On met nos fast belts sur on. Ici, on va mettre nos beacons sur on. On garde pour l'instant les entries et le logo light. On va mettre la PUR et les PAX 1 et 2 sur ON. Et aujourd'hui, on a un plan de vol à 23 000 pieds. Donc, on va commencer à paramétrer à 23 000 pieds notre système de pressu. Ce qui nous amènera à une pressu cabine d'environ 5 000 pieds. On vérifiera ici que la cabine ici monte bien quand on va monter et que notre système de cabine altimétrie soit bien sur environ 5000 pieds. On est tout bon pour ça. On va demander le pushback.
Et c'est parti. Donc on va demander un pushback côté gauche. Toutes les portes sont bien fermées. Au niveau des options ici, il y a pas mal de petites options. Si vous avez des problèmes de FPS, on va mettre les VHF aérial. Si vous avez des FPS, des problèmes de FPS, vous pouvez couper l'intérieur cabine. On n'aura pas accès à la cabine arrière. Là, je vais fermer la porte. La porte sera fermée, restera fermée. Et si vous n'avez pas GSX, vous pouvez ici couper GSX. Ça vous fera un chargement des passagers en automatique selon vos options. On va mettre ici les FD bar sur on, les flight director bar sur on. On fait un dernier check au niveau. On va mettre ici le système de refroidissement de température des freins sur on. Il fait 11 degrés, donc on va appliquer ici 11 degrés pour nos moteurs. Voilà, moi je me réfère à la température ici. Et on va pouvoir ici dire qu'on va décoller avec 18 degrés de flap. Voilà, ça règle les petits curseurs ici au niveau de mon moteur et je lâche les partenaires. On est parti pour le bushpack et on est parti pour le démarrage moteur. On met toutes nos fuel pumps sur on, on met les engine anti ice sur on. Ne me demandez pas pourquoi, c'est la checklist. Le master ici, engine sur on et start pour le 4. On va avoir l'arrivée ici du N1 et quand on sera à 20%, on va placer notre levier 4 du réacteur 4 sur on. Voilà. Hop. On la mène en position on ici, puisque la position basse c'est la position fuel off. Ça se paramètre dans MSFS. Oh, j'imagine que là il va pas aller très très loin. Voilà, il ne m'a pas fait un départ gauche, c'est pas grave, on aura la place de passer. Le moteur continue de démarrer. Belle montagne ici, hein, vraiment magnifique cet endroit. Et on va pouvoir démarrer le numéro 3. On met sur run numéro 3. On va pouvoir couper le 4 ici, l'anti-ice. On va passer ici notre petit système test des voyants. Il y avait pas mal de choses en pré-checklist. Hein. Il y a pas mal de tests ici, ground test à faire. Test incendie. Voilà, vérifier toutes les alarmes. Là, je fais en circuit court. On va démarrer bientôt le moteur numéro 2. Parti pour le moteur numéro 2. On va pouvoir mettre nos taxi lights pour l'instant. On va mettre ici les runway exit lights sur on. On a armé emergency fly deck. Le numéro 2 sur on. D'arrivée carburant, le TGT qui augmente. On vérifie bien sûr que les systèmes s'éteignent au fur et à mesure. On va activer ici le yaw dumper 1 et 2. Et on va pouvoir démarrer le moteur numéro 1. Passer 100 en N1, on peut passer sur le démarrage du moteur suivant. On a 4 à démarrer quand même, ça prend un peu de temps.
Au niveau fuel, ici, on vérifie bien qu'on a bien le carburant on board voulu. La page numéro 2, on voit le fuel flow en instantané. Queenstown Ground, New Zealand 463 with Charlie ready to taxi IFR. New Zealand 463 taxi to the hold short of runway 05 using taxiway Alpha 3. Contact runway 05, j'avais pas la même chose sur Steambrief. Donc au niveau départ, au niveau FPL, menu départ, on va prendre la 05, on va être sûr d'avoir la 05, ok. Et pour l'acide, un petit coup d'œil, on vérifie qu'on est bien la DO, donc après la 2A, hop, 3, entrée. ANPO3A. ANPO3A là. Ok, entrée. Bon, voilà, parce qu'on va bien prendre la 05. Et on va repasser ici en FPL. Voilà, page 1 sur 3. Et on est bon pour le roulage, les taxi lights sont sur on, ici il nous reste plus qu'à mettre les gen 4, donc on coupe ici le système de démarrage. On coupe ici gen 4, gen 1, on garde bien sûr l'APU. Alors l'APU on va le garder jusqu'au décollage, dès qu'on sera en l'air, on va avoir besoin pour alimenter les packs, les moteurs ne sont pas assez puissants pour alimenter les packs. On peut même couper les packs hein, au décollage. Le PTU sur on, la C-pompe sur auto, engine on. Engine 3, pompe on, engine 2, pompe on. On a l'hydraulique qui augmente ici, on le voit. On vérifie, on va mettre les brake fans sur auto. Si jamais on a besoin de freiner suite à une interruption de décollage. Continuous hygiène, ignition sur on. L'anti-ice, pas besoin. Le ice detect, on va le mettre sur on. Et puis, on est bien. On est bon pour le roulage. On n'est pas loin de la piste, hein. C'est pour ça que je mets tout ça en place maintenant. Un petit coup de gaz, après il va rouler tranquillement tout seul. On va rejoindre la 05. On va remonter la piste. On va placer nos volets en flap 18. On va allumer ici notre système. Il y a une petite montée, on met un peu plus de gaz. Voilà, on a un petit peu de mal à passer ça. Voilà, la 5 elle se retrouve juste ici. On va partir d'ici, on va la jouer décollage un peu court. Voilà, on va partir, on va pas jouer. En fait, on va pas jouer. On va prendre toute la piste, on a de la piste. Prenons toute la piste. Ne risquons pas un manque de 10 ou 20 mètres de piste, ce serait quand même dommage. Ok, on vérifie ici, on a tout qui est bien éteint. Uniquement les brake fans qui sont sélectionnés sur on, pas de soucis. Donc on a bien sélectionné ici, on va se mettre en mode take-off. Je vais activer ici les landing lights maintenant et les strobe lights. Et on va couper les entrées, le logo, le strobe light sur on. Et on va dire aux membres d'équipage. Si for take-off, on aurait pu le faire en appuyant sur cabin call ici aussi également. Queenstown Tower, New Zealand 463 at runway 05 ready for departure IFR to Christchurch. Voilà, cabinet sécure. New Zealand 463 QNH 30.27 wind 1156. Cleared for takeoff runway 05. Voilà, il nous demande ici, on a le clear for takeoff, il nous demande ici le petit système de gestion moteur d'amener nos gaz, les petites flèches bleues vers le haut, et quand les flèches vont disparaître, on arrêtera, il va se limiter à 94% de N1. Voilà, on n'est jamais plein gaz avec cet appareil. Hein. On va écouter ce que nous dit le copilote. TMS 7 take-off. TMS 7 take-off. On est sur les freins toujours.
Voilà, là j'ai arrêté de toucher mes gaz, il va lui augmenter jusqu'à 94,2. Voilà, là j'achète les freins, power set. Speed alive, both sides. Speed alive. 80 knots. 80 nœuds. V1. Et on est décollé. Positive rate of climb, gear up. Et gear up. Alors on va continuer bien tout droit surtout, hein. On a une grosse montagne sur notre droite et on en a aussi sur la gauche, donc on va pas jouer. Je vais pouvoir ici lâcher. Voilà, je vais chercher à grimper, je cherche pas à rentrer mes volets pour le moment. Et je suis mon cap. Je suis en mode AirNav, hein, ici, je suis lié à mon FMS. Et je continue ma montée. Voilà, je vais pouvoir baisser un petit peu le manche maintenant. Voilà, on trie mon négatif. Et là, je suis dans une zone beaucoup plus tranquille. On va prendre de la vitesse pour remonter nos flaps en zéro maintenant. On va attendre l'annonce du copilote. VFTO, safe high speed, select flap. Voilà, select flap. Alors attention, là on va avoir le variomètre qui va dégringoler en remontant les volets. On vérifie bien ici que les volets se rétractent doucement. Le train est bien remonté. On va pouvoir ici couper le PTU et placer pont pour pouvoir passer sur off. Et on va pouvoir ici mettre les engine air sur on et couper la PU air. La PU. Et on continue notre accélération. Et on prend par la gauche. C'est un super bon endroit, hein, pour faire des vols en montagne. Voilà, la PU est coupée. Petit message d'avertissement, tout va bien. Allez, on réduit maintenant, on passe en synchro et je réduis environ 90%. Normalement, on est à 89% à 5000 pieds, 90 à 10 000 pieds, 91 à 15 000 pieds, 92 à 20 000 pieds. C'est des bonnes références. Là, je suis à presque 90% pour presque 10 000 pieds, donc ça, c'est bon. On n'est pas plein gaz avec cet appareil, hein. Voilà, et on contrôle. On va passer le waypoint suivant, ça c'est pas gênant. On peut ici faire un direct tout sur le QN852. Le tout c'est de bien vérifier au niveau des montagnes qu'on soit sécure. Une petite info, vous avez un petit bouton ici. Ouais, il me demande à descendre à 5700 pieds, je suis pas d'accord. Du coup, on va couper le transpondeur. Après, ici, on a un petit bouton, comme je disais, qui permet d'aligner le HDG. Hop, voilà. Donc, c'est un petit hotspot. Ça me permet d'aligner votre heading. Ce qui fait que si vous voulez passer en mode heading, par exemple ici, en autopilote, le mode heading et le mode IAS par exemple, puisqu'on est à une vitesse de 230 nœuds, on est bien. Et on engage l'autopilote. Ici. Voilà,
Voilà, donc ce petit hotspot in-in, là, il est bien pratique, il se trouve ici, juste à côté de la course. Et ensuite, vous pouvez guider, bien sûr, l'appareil en autopilote. Voilà, on va garder environ 230 nœuds, on vient de passer 10 000 pieds, maintenant on peut passer en mode VS. Je repasse ici en mode VS, on va accélérer jusqu'à 250 nœuds environ, je vais couper les landing lights. Pour l'instant, je vais garder les seatbelts, mais même s'il n'y a pas trop de perturbations, on va attendre un petit peu, ça peut secouer un peu avec les montagnes. Allez, on passe en IAS. Et on est pas mal. Allez, on fait un check de clim. Donc on est bon au niveau électrique. La PUGN, la PU est bien coupée. Est bien à zéro. On a bien l'alimentation. On vérifie au niveau de notre pressure cabine qu'elle monte bien. Et derrière, hop. Au niveau de la VHF, si la tour de contrôle vous embête, vous pouvez ici réduire le son. Voilà. Et on va par exemple chercher à faire un direct tout vers Anpov. Donc hop, ici vous allez faire un DTO. On voit les max, Metux. On peut aller sur les pas suivants et on va aller vers Anpov directement, la 9. Vous cliquez donc sur 9, vous faites entrer et là on voit qu'il nous donne un nouveau cap. On va même se mettre en mode nav, en NAV. On va mettre un petit peu plus de puissance moteur maintenant, un peu plus au-dessus de 90% de N1. On va continuer notre montée jusqu'à environ 25 000 pieds. Pardon, autant pour moi, c'est 23 000 pieds pour le plan de vol du jour. Et on fait un altitude arm pour bloquer l'altitude à 23 000 pieds quand il va arriver à cette altitude. Sans quoi, il va continuer à monter. Regardez-moi un peu ces paysages là sur la Nouvelle-Zélande, c'est juste magique. Voilà, on est à 8 nautiques de Anpov. On a pas mal de petites lumières dans ce cockpit. Est-ce que j'avais libéré ici la cabine? Oui, je vais pouvoir maintenant libérer les passagers. On va couper le continu CGN. On va pouvoir aller la voir, cette petite cabine. Hein. On va continuer à monter tranquillement. À 250 nœuds. On va stabiliser un petit peu quand même avant de vous montrer les innovations. Donc on l'avait vu, hein, cette petite checklist. Vous pouvez très bien ici... aller sur le mode par exemple after take-off, le climb, les breaks, auto-off. Donc ici ils sont en auto, je les garde en auto, moi j'aime bien les garder en auto. La PU stop, on est d'accord, les fast belts, moi je les ai désactivés. Et au niveau de nos lumières, ici on est bon. On a toujours nos beacons, nos strobes, nos naves.
Bien sûr, toujours les petites options, hein, comme par exemple la map. Navigraph Chart, si vous avez Navigraph Chart. Vous pouvez prendre des notes. Vous avez les checklists avec le système, par exemple le time. Là, moi je préfère cette checklist là, ça permet de checker ce qu'on a fait et pas fait. Un taux de calculateur pour savoir à quel moment descendre. Et des settings basiques. Alors, on va passer notre baromètre à 1013. Au niveau température moteur sur cet appareil, on est souvent aux alentours des 800 degrés. Hein. C'est un bon, une bonne référence pour savoir quelle puissance on doit mettre. Hein. 800 degrés, guère plus. Voilà, là, je suis à 797, sachant que là on est en synchro, donc les trois autres moteurs se synchronisent sur le 1. Et on a un taux de montée respectable de 1500 pieds minute. C'est pas un avion hyper péchu, on va pas monter très haut avec. Hein. Là pour ce vol on a 23 000 pieds, on va faire du 25 000, 27 000 sur des longs courriers, enfin longs courriers j'entends, c'est des courts courriers ces avions, mais sur des vols un peu plus longs, on va essayer de pousser peut-être un peu plus haut, mais il va mettre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de carburant pour essayer de grappiller quelques 1 ou 2 milliers de pieds et ça vaut vraiment pas le coup je trouve. Même là vous voyez les 23 000 pieds, hein, c'est... on y arrive hein, mais voilà, ça prend du temps. Alors au niveau de la tour, hein, c'est toujours pareil MSFS en espérant que dans MS 2024 New Zealand Center, New Zealand 463. Request flight level 250. Voilà, on est bon, on va lui remettre un petit peu d'audio pour entendre ça va, sa voix. On va lui demander 2000 pieds de moins pour finalement arriver au FL230. Et voilà, comme ça vous aurez mon égérie tout le temps. voilà, non mais c'est sympa, hein. Ça c'est super bien, c'est franchement bien. Bon,
On clique ici hein, pour ranger la petite tablette. On arrive à 25 000 pieds et après on va aller faire un petit tour en cabine. Donc ensuite on va être en autorégulation en mode target hein, avec une température moteur qu'on va imposer ici. On va commencer par un petit 700. Là on voit qu'à cette altitude là on va pas dépasser vraiment le max 0,65. Voilà, on est stabilisé. Je vais ralentir ici. Et on va déjà lui demander 700 degrés. C'est déjà une bonne accélération. Et on réduira ensuite, voilà, mode target. Et là, il va régler 700 degrés pour les 4 moteurs. Voilà. Ça nous fait du 86%. On va continuer d'accélérer vers max 0,65 et on pourra réduire une nouvelle fois la température. Alors, cette température, elle évolue en fonction de l'endroit. Plus il fait chaud et plus c'est compliqué à l'avion de monter et donc d'avoir des températures correctes. Donc, voilà, c'est pas toujours les mêmes valeurs. Là, je vous dis 700 degrés pour l'accélération. Des fois, ce sera 720, 730, 740, ou des fois, ce sera même moins. On va accélérer tout doucement, tranquillement, et puis on va se délasser un petit peu. Alors ici, on a différents sièges. Ça me fait penser que j'avais... Donc ici, on a l'oxygène hein, pour l'appareil avec la pressure. On va vérifier ici. On a un troisième siège qui fonctionne également. Les petites... voilà. Les petits repose-bras, on peut ici les petits accoudoirs, on peut ici bouger le siège du copilote. Quoi d'autre, on va se diriger, une petite turbulence là, on va se diriger maintenant vers l'arrière, on peut reculer notre siège aussi, hein. Voilà. Et on clique sur la petite porte. Et on a accès à ce nouvel environnement qui a été avant. Bon, c'était plutôt pas très joli, plutôt basique et sans fonctionnalité. Maintenant, les lumières, toutes les lumières sont paramétrables. Ici, on peut faire des appels. Emergency Lightning. On peut faire du café. Donc on l'allume, on l'éteint. De l'eau chaude. Voilà, il y a pas mal de choses qui sont plutôt pas mal. Une petite sélection. Il faut que je le retrouve, une petite sélection musicale. Donc les no smoking. D'ailleurs, ça fait penser que les no smoking sont sur on, mais à la limite, ça c'est pas gênant dans le vol. Et si on met bien sûr les seatbelts. On a bien l'annonce qui est faite ici par l'hôtesse. Et ici on se retrouve bien avec les seatbelts sur on. Voilà, des petits détails mais qui participent au couper les runway exit light. Et puis cette cabine qui est vraiment sympa, comme je le disais, avec un petit autoradio également. Un peu haut, j'avoue. Donc il est automatique hein, on peut l'allumer, on peut choisir des pistes, vous pouvez mettre les MP3 que vous voulez. Le volume, voilà, on va mettre une musique un peu années 80 puisque c'est son âge. Et voilà, cette cabine, elle est vraiment, 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 vraiment plus sympa qu'avant.
les bruits des réacteurs en fonction de la position. Cette vue est impressionnante. Pas accès aux toilettes. Voilà, c'est vraiment pas mal. Bien sûr, le système d'échelle qui est rentré ici. On ouvre la porte, on sort l'échelle, on peut le faire en manuel en cliquant dessus, on peut l'autoradio. Voilà, pas mal de choses donc qui sont vraiment sympas. Une planche ici sur la partie droite exit avec les front entry, rear entry, center cabin, ça c'est toutes les lumières, les toilettes. Toilette, water heater, front et left. Le ground service. Donc en fait les lumières, vous voyez, on peut réduire, on peut mettre les lumières en entrée et en sortie. Ensuite il y a le centre de la cabine. J'essaie de me déplacer pour que ce soit. Voilà, centre cabine, on va mettre même laisser un petit peu la luminosité extérieure. Voilà, donc la cabine, hop, ça c'est l'avant, l'arrière on le voit. Ensuite les lumières plafonniers, les lumières latérales, les lumières ici gauche et droite de passagers. Ici, lumière avant. Donc là c'est plutôt sympa en mode comme ça de nuit. D'ailleurs de nuit ce cockpit il est juste magnifique en fait. Il est juste magnifique, tout se règle. Bien sûr on a du flou possible. Les panneaux d'instruments qu'on peut régler à volonté. Pas mal de petites lumières qu'on peut régler et orienter un peu comme on souhaite. Il y a énormément de lumière dans cet appareil. Bien sûr là-haut également on peut régler les lumières des interrupteurs. Voilà, pour moi c'est l'avion, un des avions les plus immersifs dans le jeu, c'est vraiment excellent. Vous avez aussi là aussi la possibilité de mettre du flood pour la console centrale. Là aussi vous pouvez régler les lumières. Voilà, énormément de choses. Voilà, on va se mettre comme ça, on va régler de nouveau. On va se mettre un peu plus tard, voilà. C'est pas mal. Allez, on va quand même mettre la centrale. Qui est, je trouve, vraiment sympa. Voilà pour ces nouveautés. On va fermer la porte. Et on est parti pour une descente à 17 000 pieds. On arme, on passe en mode descente. Et on réduit les gars. Et on passe en mode IS. Voilà, il annonce la descente. On va chercher environ 2000 pieds.
et on va passer en mode vertical speed. On va stabiliser à 2000 pieds de descente. Et on continue ici, je vais enlever l'altitude. Armand continue à descendre jusqu'à ce que les voyants blancs disparaissent. Ce qui équivaut environ à 60% de N1. Je continue à descendre mes gaz. Et voilà, un premier voyant, il reste le 4 qui est encore un peu élevé. Le 4 est descendu, voilà. Donc là, on garde toujours un peu de gaz parce que sinon, on n'a pas suffisamment d'air au niveau des PAX. Donc ici, on peut resélectionner notre altitude à 0 puisqu'on va être en descente lente. Et ici, on vérifie que on est bien notre système de pression cabine qui descende. Et on fait notre descente tranquille. Ici, au niveau du flight plan, on peut vérifier au niveau fuel. Notre arrivée, on aura environ 1981 kg à NZCH. Au niveau FPL. New Zealand Center, New Zealand 463 is at flight level 195 descending 17,000 feet. Apparemment, il n'y a pas la star. Alors, on va repasser en mode menu. On va faire le arrive, NTZH, runway. Ok, il me demande la runway. On est sur la runway 2. On est bien d'accord. On lui avait mis la runway 2. La star DOP 4. On est d'accord. Et ILS 2 sur la 4. On est d'accord. Et IDUBU en transition. On vérifie tout ça. On va sur Next. Next. Prochain waypoint d'Opki, ensuite Aude, etc., etc. Donc on va chercher 11 000 pieds pour la prochaine étape. On va passer nos seatbelts sur Aude. Voilà, la tour nous confirme les 11 000 pieds. Ici, je vais mettre la pression barométrique 30-35, 1028 hectopascal de l'arrivée.
Ok, on va mettre ici nos PTU sur ON. On peut faire un petit check au niveau checklist en descente. Au niveau descente, PTU sur ON, pressurisation. On a fait le briefing complet. Bonne condition d'atterrissage. La météo est bonne. Sur l'arrivée, landing data, check bug set. Ici, landing data. On va atterrir avec les flaps en 33 au maximum. VRF 119. Ça nous indique ici 119 sur les références. De poser, toucher des roues. Donc on sera à 10 nœuds supplémentaires pour l'approche. Enfin, en approche finale. On va arriver sur 10 000 pieds, je vais démarrer la PU. Et 6 000 pieds annoncés par la tour. Les landing lights sur ON. L'approche. L'altimètre set and cross check. Facile belt sur ON, c'est bon. La PU start, c'est fait. Break fan auto, on est bon. La PU continue à démarrer. Fuel panel set, cabin warn. Cabin warn, on le fait ici. Ou ici, cette fois l'année. Derrière, on continue notre checklist. Steep approche, pas besoin. Radar altimètre, set and cross check. Anti-ice. La PU, on est bon. Ici, on coupe. On met l'APU R et on coupe APU engine. Enfin, l'engine R, pardon. L'engine R, les 4 moteurs coupés, on met l'APU R qui prend le relais et on peut maintenant couper complètement. Et on passe en McQueen Thrust si on a besoin de remettre les gaz. Et là, je coupe complètement les gaz. L'APU a pris le relais pour avoir les packs sur ON. Les landing lights, on est bon. Les seat belts, on est bon. La cabine vient de nous annoncer. Comme quoi, ils étaient bons. On est un peu rapide, on va mettre du speed break. On va chercher à 6000 pieds, on vérifie au niveau de notre FMS, on se sera ensuite, ouais, à 6000 pieds, on va enlever les speed breaks, on va ralentir gentiment. Normalement, on est à moins 250 nœuds, hein, en dessous de 10000 pieds. Bon, voilà, on est à 250 nœuds, et on va stabiliser à 6000 pieds dans un premier temps. Et non, on va même pouvoir choisir 4000. Mais la tour nous avait annoncé 6000. Et on va repasser en mode VS à 1000 pieds minute maintenant. Donc je vais remonter ici mon appareil à 1000 pieds minute en descente. On va donc ralentir doucement. Gaz à zéro. Descend and maintain 2,000 feet. Expect ILS runway 02 approach via Ethiopia transition. Clear to Ethiopia, New Zealand 463. 109,90 pour le réglage de l'ILS avec une course. La 02, la course est à 16 degrés. Donc on règle 16 ici. Ok, on est à une vingtaine de nautiques environ de notre arrivée. On continue à descendre, on le voit, on est sur une vitesse correcte. J'ai les gaz à zéro, donc c'est très économique là. On plane, hein. On plane littéralement. Et je vais demander quand même une limite, hein. Voilà, ici à 4000 pieds pour pas descendre plus bas.
pompes ici en auto. Voilà, ces pompes en auto ici. Voilà, elle me demande clairement de ralentir à la vitesse de 170 nœuds. Un peu d'air au frein. Et on stabilise ici à 4000 pieds. Et on va réutiliser le petit hotspot ici hein, pour le mode heading. Puisqu'on va vouloir chercher l'ILS maintenant. Voilà, on passe en mode heading. Je repasse ici pour la partie nav pour passer en mode ILS. On a l'ILS accroché, je passe en Vorlock et en Glide Slope. Localizer captured. Et on va placer nos flaps 8 en nos flaps en 18. Je passe en mode VS, je suis coupé l'autopilote, je vais chercher à prendre le plan de descente. Christchurch Tower, New Zealand 463, 10 miles southwest inbound ILS runway 02 approach. New Zealand 463, Christchurch Tower. QNH 30.33, wind 056 at 6. On va sortir le train. ILS runway 02 approach. Cleared ILS runway 02 approach, New Zealand 463. On va mettre les continuous ignition sur on pour les moteurs. Et on met les speed brakes. On vérifie le train sorti, on est en flap 18. Un avion magnifique. Voilà, glide slope capture. Établi sur l'ILS, c'est parfait. On remet des gaz maintenant, on garde les zéro freins sortis. C'est beaucoup plus facile de rentrer à zéro frein pour reprendre de la vitesse avec des moteurs qui sont en puissance modérée. Speed checked below 180. Select flaps 24. Flap 24 annoncé par le copilote. On a la piste en visuel, pas de problème. Non, on garde pour l'instant l'autopilote en ILS. Voilà, on continue de ralentir tranquillement. Select flap 33. Allez, et 33 pour les flaps. Dernier cran. Ici, on vérifie, on est un peu rapide. On voit fast et slow, FAS. Et ici, notre pente de descente est bon. Donc, on doit régler nos gaz. Mais j'aime bien garder une marge de 10 nœuds quand même. Hein. Et je coupe l'autopilote. Autopilot disconnected. Landing gear down, les lights, c'est bon. Les flaps, c'est bon pour landing. Airframe, APU et PAC, c'est on. Engine air off, c'est bon. Nozzle steering center, c'est bon. 1000. On a environ toujours vers les 70% hein, de N1 pour l'approche sur un taux de descente de 1000 pieds minute. Alors on est un peu bas, on fait attention. On voit ici le glide slope hein, qui a tendance à descendre. Enfin, à monter, donc on est trop bas. Et on voit aussi que le papy nous indique qu'on est trop bas. Donc on monte un peu, on met un petit peu de gaz. Toujours un peu bas. On met encore un poil de gaz. On est sur notre vitesse référentielle de posée. Voilà, on a repris un peu, dino au-dessus, on est bien, on stabilise en altitude, on reprend notre plan de descente, on a les deux papilles blanches et rouges,
on est bon, on reprend notre plan de descente. Et on rebaisse les gaz. Et si on a un problème, on ramène tout de suite les aérofreins, ça va nous donner une impulsion. 100. Minimums. Voilà, minimum, j'avais mis 200 pieds. Landing. Train sorti, on est sûr, on est bon. Flight slow. Un peu bas sur l'approche, mais on a une piste courte, je préfère poser ici. 50, 40, 30, 20, 10. Et on coupe les gaz. Un petit rebond. Yellow. Les spoilers sont bien déclenchés, on pousse le manche en avant et on freine à la main. On n'a pas de reverse sur cet avion, mais on peut se poser court, pas d'inquiétude. 80 knots. Voilà, 80 knots. 60 knots. 60 knots. Et on va sortir à la droite ici. Ok, on ramène les volets, on ramène les zéro freins. On coupe le flight director. On coupe ici notre gestion de puissance. On passe en taxi light. Et on va pouvoir couper nos strobes. Airbrake spoiler in, flap up, flight director off. Light and strobe, taxi and off. On est bien en taxi, c'est bon. Le TMS ici, il est sur off. Weather radar, on l'a pas utilisé. Transpondeur, on va le passer en TA. On est en TA, c'est bon. Engine anti-ice, off. On est bon, continuous ignition, je vais l'enlever. Off. Voilà, on entend la petite musique qui s'est déclenchée automatiquement. On va en dire à GSX où est-ce qu'on peut se placer. On va prendre celle-ci. Et on est là-bas. Et on est parti. Pas mal ces petites planches référentielles, hein. C'est vraiment sympa. Si on ouvre la porte, on entend le son un peu plus fort. Je crois que je suis par là. Et oui, je suis par là. Ah, on a encore Trump, ça faisait longtemps. J'avais eu Trump hein, déjà dans une précédente vidéo. Bon, GSX c'est toujours trop court, moi je trouve, au niveau. Voilà. Ah oui. Il a vraiment, vraiment la même tête. Hein. J'aurais dû m'arrêter plus court, mais bon, voilà, GSX me disait de m'arrêter un peu plus loin. Mais bon, c'est pas grave, ça passe quand même. Et on va faire la checklist d'arrivée. Les parking brake on, on check les 3000 PSI.
les taxi lights, on les coupe. La pressurisation, on vérifie que tout est bien dépressurisé, on est bien sur zéro. Hydraulique, on coupe toute l'hydraulique. Les engines 3, engine off, AC pompe et PTU. Générateur 1 et 4, on les place ici sur offline et off reset. Thrust lever, on passe nos 4 moteurs sur off. Déverrouillage des portes. Le MS Ground OP Switch, ici on le tire sur ON, il doit être allumé pour pas avoir les avertissements sonores et lumineux. Fast belt sur OFF. Brake fan, on va les mettre, ils sont sur auto, on est à 276 degrés, ça va continuer à descendre. Les fuel pompes, on coupe tout à part le fuel pompe de gauche, puisque on a besoin, left liner, puisqu'on a besoin pour la PU. Heater all off. Ice detect sur off. Beacon sur off. Et puis transpondeur standby et door équipement. Transpondeur standby. Et il ne nous restera plus que Living Aircraft. Et avant ça, on va ici mettre les shocks Ground Power et demander le déchargement des passagers. Les portes sont ouvertes. Ici, on va External Power Available. On va mettre sur ON. On va couper ici la PU Gen, la PU R, les packs sur OFF. Et derrière, on va appuyer ici pour faire un test APU Overspeed. Et l'APU va se couper toute seule. On va pouvoir le mettre sur stop et l'APU Gen sur off. Et puis on peut se faire gentiment la checklist d'arrêt. Donc master switch all off. Donc tous les master switches qui se trouvent là-haut, yaw dumper, autopilot master, avionic master, les lift spoiler, anti-skid sur off, les brake fans sur off. Cabin emergency light sur off, flight deck emergency sur off, no smoking sur off, et les cabin emergency light sur off, le galet sur off, tout ce qui est électrique ici sur off override, open pour AC DC bus tie. On coupe ici le left liner puisqu'on n'a plus d'APU, et on peut même ici couper external AC. Voilà, la PU master, les fuel pompes, DC bus tie, standby inverter, standby générateur, galley shed, external, internal light, batterie 1 et 2 sur off. On peut bien sûr aller couper, voilà, on a le passager qui débarque. On peut à tout moment couper la radio. Bon, on passe ici. Au niveau aircraft, on coupe le ground power et on coupe nos batteries ici sur off 1 et 2. Je pense que j'ai rien oublié. Ah si, les nav lights sur off. On est tout bon. On coupe bien sûr tout ce qui est radio, navigation. Et on est bon, batterie 1 et 2 sur off. Voilà pour ce vol. Ah bon, on a décollé à côté d'un A320 couleur Nouvelle-Zélande. On atterrit à côté d'un A320 couleur Nouvelle-Zélande. On a quand même du Qantas Airlink qui est sur donc Australie. Hein, c'est un peu logique de retrouver ses livrets. Bah écoutez, voilà pour cette mise à jour. Hein, cette mise à jour du BAE 146 V2, pas mal de petites nouveautés, vraiment sympa. Moi j'adore cet appareil, j'adorais cet appareil. Bah maintenant, voilà, je pense que c'est mon préféré, très honnêtement, avec le PMDG derrière. Mais voilà, les deux sont différents, c'est pas la même génération. Mais voilà, c'est le PMDG 737 avec ce BAE, c'est pour moi les deux avions. Même si j'adore le McDonnell Douglas, attention, 82 qui est aussi très bon, mais là, ce BAE, je sais pas, il y a quelque chose en plus.
Et puis, bien sûr, il y a le Phoenix A320 qui est formidable, mais je ne supporte pas ce cockpit et ce système Airbus. Donc voilà, on ne va pas revenir dessus. Écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas, un petit like, un abonnement si vous le souhaitez. On se retrouve pour d'autres vidéos très prochainement. Prenez bien soin de vous. À très vite. Ciao. Bye.